J'suis avec l'Asiat gelé. Hello there. Toutes mes intros, ils ont été démonétisés à cause des tunes que j'utilise. Fait que ça me prend une nouvelle intro, mais là, j'ai comme pas eu le temps d'en faire une. Fait qu'à la place de faire une intro, je suis une twist, hein? Hein? Parce que Twisted Tea sponsor GNT, tabarnak. Tes astis-là, ils vont me sponsor. Santé, la gang. Shit, y'en a, toi. Hey, c'est pas long, hein? C'est pas long, gang, hein? Asti que c'est pas long. Oh oui, que ça fait du bien. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. OK, la gang! Aujourd'hui, on fait des prank calls. Bitch! Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous dire mon concours. Que vous m'envoyez des vidéos de 30 secondes max. Vous pouvez en envoyer comme vous voulez. Envoyez-en pas 50, là. Mais si vous en envoyez 10, faites-le. Là, dans le fond, je vais faire une compilation. Je vais vous faire voter lesquels c'est les meilleurs. Je vais choisir mes préférés. Puis j'en ai un préféré. Vous allez voter. Les gagnants, il va y avoir des t-shirts. De tout. Je me sens généreux maintenant. Fait que envoyez-moi ça au courriel direct site. Premier lien dans la description. Envoyez-moi ça. Let's go. Avant de commencer maintenant, on vient de filmer une vidéo. Là, on a plus d'énergie vu que la caméra tourne, mais on est dead, mon gars. On est allé filmer genre des pranks random en public, là. Je mets un extrait live. Quoi? Là, on va appeler des sex shops. Wow. On sait pas, ça va être tout ça tout le long de la vidéo, mais pour l'instant, on commence avec les sex shops. Les dildos! Attends, il était-tu marqué? Pornhub? Ouais! Oh. Pornhub, mes petits kangourous! Sexy et compagnie. On va appeler Sexy et compagnie. Sexy et compagnie, bonjour! J'aurais une question vite dans même. Êtes-vous pour ou contre l'anal chez Sexy et compagnie? Des conseillères, nous on fait juste vendre les jouets aux personnes qui en veulent, tout simplement. Personnellement, vous autres, aimez-vous ça, l'anal? C'est un sondage, madame. Non, on parle pas personnellement, nous ici, les conseillères, je suis désolée. Ok, parce que moi, j'aime vraiment ça, l'anal. J'aime vraiment ça, l'anal. J'ai des parties d'orgie avec mes amis d'anal. On est tous hétéros, mais on aime ça, l'anal. Fait que, êtes-vous intéressé de venir à une de mes parties? Non, merci, ça va être correct. Mais je vous le dis, madame, vous allez vraiment passer du beau temps. Elle a raccroché! Shit! Ok, ça casse la glace, c'est pas le meilleur. Ça, c'est une cliente, pas une cliente, une demoiselle qui fait pas son travail. Tu sais, ça, c'est. Bitch! Tu comprends? Faut que tu fasses ta job. Si le client demande quelque chose, faut que tu répondes, genre. Bitch! Ouais! Oui, bonjour. Moi, j'appelle pour... ça, c'est un peu de l'information, dans le fond. Vos dildos, c'est quoi les plus grands formats et tout? Nos plus grands formats dans les dildos, ça va être un 9 pouces. Sinon, j'en ai à double extrémité, dans le fond, qui vont être plus grands. Je vais aller vérifier les mots. Ça va être un 16 pouces, dans le fond, pleine longueur, qui a vraiment une double extrémité, qui sont pas vraiment assez flexibles. OK. Puis ça, c'est en gélatine ou c'est vraiment en... J'en ai comme la double densité qui va être en silicone, donc produit vraiment naturel. Mais sinon, j'en ai aussi en PVC. En PVC, c'est en plastique, ça? Ouais, c'est ça. Ça va être un genre de plastique robert. Ça doit faire mal, ça? Non, pas vraiment. OK, mais est-ce que vous me conseilleriez plus en plastique ou genre en truc gélatineux? Ben, c'est parce que c'est pas du plastique dur, en fond. Ok. Comment vous l'expliquez pour répéter en magasin à ce moment-là? Ok, puis dans le fond, en magasin, je pourrais l'essayer? Vous allez pouvoir toucher, oui. Ok, parfait. Puis ça se met dans le cul? Ok. Bon, on est à côté de la soirée. C'est grave! Ça, tu mets ça dans le cul? Hey, c'est tous des jeunes qui travaillent là, hein? C'est tous des jeunes. Béotique, érotique, Eros et compagnie. Béotique, érotique, Eros et compagnie. Ok. Vas-y, mon chum. Eros Lady, bonjour, ça vous met à l'appareil, comment puis-je vous aider? Bonjour, dans le fond, moi j'suis un gars qui s'entraîne beaucoup dans la vie, puis je vais être honnête avec vous, j'ai pris un peu trop de stéroïdes, j'ai seulement 17 ans, puis ça fait 3 ans déjà que je prends des stéroïdes, puis mon pénis il fonctionne plus. Avez-vous de quoi pour faire bander? Une pompe à pénis. Je te conseille la pompe à pénis, c'est la meilleure chose qui soit. Ça... Dans le fond, ça va venir grossir ton pénis et le faire allonger. Ok, ça coûte combien ça? Ça
OK, puis ça fait quoi, plus détaillé, ça fait quoi les pompes à pénis? Ça fait grossir et allonger votre membre. Mais je vais-tu être capable de bander? Habituellement, je pense oui. Oui? Oui. Oui, parce que ça, oui. Parce que je vais être honnête avec vous, c'est un spaghetti cuit, mon pénis, en ce moment. Là. Il est mou pas mal. OK, ben moi, je voudrais devenir en boutique. Je pense que ça serait mieux là, que par téléphone aussi. Là. Ouais, je comprends. Je voulais juste savoir, tu sais, parce que là, ça... L'autre soir, j'étais au shaker, puis tu sais, j'étais un peu pompette, mais je pense pas que c'est à cause de l'alcool, je pense que c'est vraiment les stéroïdes qui faisaient que mon pénis fonctionnait pas. Ça se peut, j'ai. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas là. Fait que moi, je voudrais revenir en boutique pour. Ok, fait que j'arrive dans 10 minutes, mais dernière question, est-ce que je pourrais vous le montrer en vrai parce que. Si... Non, merci! Non. Oh. Ok, bye. Bye. Ok, bye. Non, merci! Yo, je savais même pas que ça allait exister pour moi! Eux autres sont comme sûrs que c'est un esti de pervers de 85 qui est genre à l'arrière avec eux. Ok, fait que là, gang, on va appeler le Walmart. Mais là, avant de continuer, je veux juste dire, genre, soyez pas frus, oh, vous dérangez le monde. Gang, c'est 2 minutes de leur vie, ok, le monde qui répond au téléphone. Ils mourront pas, ok, soyez pas frus. Moi, je suis imitateur dans la vie, fait que comme, là, je vais changer ma voix, mais Chris, c'est une blague que je fais, là, ok? Aucun jugement envers les personnes. C'est pas raciste, là, non. C'est pour l'humour! Humour! Bitch! Bonjour. Ah oui, bonjour. J'appelle concernant moi. Je suis allé chez Walmart tout à l'heure et j'ai acheté une banane. And like, quand je suis arrivé ici, la banane, il comme, like, le dedans était comme noir. Ok. Est-ce que je peux retourner la banane? Sérieux, là? Quoi? What? À un moment, s'il vous plaît. Bonjour. Bon, madame? Oui? Je suis à... Est-ce que je parle à la madame de True Teller? Non. OK. Je suis allé chez Walmart True Teller et, j'ai pris une... j'ai acheté une banane. OK. Est-ce que je suis chez Walmart? Oui. And, like, quand je suis arrivé chez nous, la banane était tout noire. Pas de problème, vous avez toujours votre facture? Oui, j'ai la facture de la banane. Parfait, juste à revenir, on va vous l'échanger. Ok, j'amène la banane? Oui, la banane avec la facture, puis on va vous l'échanger, y'a pas de problème. La banane dans le cul? Je m'attendais pas à ça! Qu'elle a changé, on l'a entendu dire à l'autre, tu me fucking niaises, pis elle a passé le téléphone à l'autre. La banane dans le cul, mon chum! Ok, la gang, je vais appeler au Subway. Pour tous ceux qui étaient dans mes lives, je l'ai déjà fait, ce prank-là, mais je vais le refaire. Toi, du poulard! Bonjour, est-ce que je suis bien chez Subway? Oui. J'ai une question, est-ce que vous avez du poulet? Parce que j'ai une question, j'aime beaucoup le poulet, mais à l'épicerie c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Est-ce que je peux juste acheter du poulet, pas de sandwich, juste du poulet? Malheureusement c'est impossible, faut vraiment acheter au moins le pain et mettre le poulet dedans, faut pas seulement acheter le poulet. Alors je pourrais prendre une sandwich avec extra, extra, extra poulet et juste prendre le poulet, c'est ça? Parce que vos poulets grillés, il est excellent. Des suppléments, moi je prends beaucoup de stéroïdes aussi. Mais est-ce que le poulet c'est bon pour la santé, ouais? Le poulet c'est bon pour la santé, oui. Plein de protéines, c'est ça? C'est ça. Ok, ok. Donc ça va me coûter combien? 18 extra poulets. Parce qu'on est 18 personnes qui veulent manger du poulet ici, là. Ok, donnez-moi un petit instant, je vous reviens. Ok, merci. A few moments later. Bonjour madame, je veux mon poulet. Monsieur? Ouais. Mais madame, je n'ai pas l'internet ici, je n'ai pas l'internet, je ne suis pas pour l'internet, la technologie, je n'aime pas ça, je veux seulement du poulet ici, là. Ok, ça sera pas violent. Oh, pauvre madame, pauvre madame. Je me sens mal, gang, soyez pas fruits, je me sens mal. Donc, je m'excuse pour l'attendre, je vous passe ma collègue, merci.
Oh, merci beaucoup, madame. Bonjour, madame. J'ai une question. On est 18 personnes qui veulent manger du poulet. Et le poulet excellent, je veux dire, le poulet Subway, il est vraiment excellent. Est-ce que vous pouvez me faire une sandwich extra 18 poulet? Pardon? Si, je peux quoi? Faire une sandwich extra 18 poulet. 18 poulet, parce qu'on veut seulement le poulet, non de la sandwich. Mais on est obligé. C'est ça que la madame m'a dit. On y va, là? Non, je vais venir à la marche, mais je veux juste savoir si je peux acheter du poulet. Oui? Ça me coûterait combien pour 18 extra poulets? 18? 18, on est 18 personnes qui aiment beaucoup le poulet et on veut du poulet. Mais quel poulet vous voulez? Le poulet grillé, il est excellent, c'est le meilleur poulet que j'ai mangé de toute ma vie. Et je mange beaucoup de poulet, écoutez-moi madame, je mange beaucoup. C'est meilleur que du PFK. Oh, elle est partie. Oh, la petite conne. Partie? Tout le monde connaît un peu les Kevin. Les Kevin, tu sais, on se comprend, les Kevin, ils ont tous des Civic comme moi, Civic monté, tout ça, fait qu'on va appeler au Canadian Tire. Parlant de Kevin, son nom c'est pas Kevin, gang. C'est Jason, ou appelez-moi Boisse. Ceux qui me voient, appelez-moi Boisse. Puis dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais m'installer un Piflo, fait que. On va appeler si on peut avoir un Piflo, puis sans rouvrir un. Ouais, bonjour. Moi, mon nom, c'est Kevin. Puis, dans le fond, je me suis acheté un Civic il y a pas longtemps. Oui. Puis, un Civic 2008, ben, droppé, tout ça, camber, tout le kit. Puis, me demandais, là, j'étais prêt à taponner à mon garage. Puis, me suis dit, tiens, Chris, on va aller acheter un Piflo. Me demandais, avez-vous ça des Piflo? Ben, moi, j'ai juste le bout, là. J'ai pas tout le tuyau, là. Pas tout le tuyau du Piflo? Non, j'ai juste le bout. Ok. Si j'aurais, si j'aurais tout le. Mettons, j'ai le bout, moi, si j'aurais tout le bout, je suis capable de juste aller chercher le Piflo, mettons, rien que chez Canadian Tire. Ouais, bah, tu serais capable de venir prendre juste le bout, là. Ok, puis combien ça le Piflo? C'est combien le Piflo environ? Ça dépend de la grosseur que tu veux, là. Ah, le plus gros Piflo, il faut que ça marche aussi vite. C'est bon. Ouais, le plus gros, peut-être autour de 70 heures dans ce bout-là. Ok. Ah, oh, on va popper le VTEC avec ça, sti. Ouais, t'es malade, ça. Ben, mon nom c'est Kevin, fait que c'est sûr que je pop le VTEC, là. Ouais, je sais. C'est sûr, hein! C'est sûr, sti. Ben, mon nom c'est Kevin, tabarnak. Hey, va donc chercher la clé de 16 là-bas, sti. Amène-moi le box! Non, alors, pas de WD-40, sti. Ouais, fait que je vais passer venir chercher le Piflo. C'est bon. Ok, merci, mon chum. Ciao. Yo, quand t'as dit si j'aurais, là. Hey, le gars, il a dit, c'est sûr que tu t'appelles Kevin, là, c'est-tu? Bon, ben, la gang, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette petite vidéo fun. N'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne parce que sa prochaine vidéo, elle va être in fucking scene. J'étais quasiment jaloux à ce que c'était pas sur ma chaîne, ok? Fait qu'allez voir ça. Sinon, n'oubliez pas le concours, email ici, tout le monde. Allez, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de subscribe, n'oubliez pas de jabber, de sourire et de rester positif. Vous êtes beaux, vous êtes belles, on se voit prochaine. Parce que comme on dit, c'est beau l'amour. Mais les bananes, ça va, ça y est la gare. L'anal.